Françaises, français, mes chers compatriotes, depuis deux quinquennats, en tant que président de Free, j'ai maintenu le prix des forfaits mobiles inchangé. Aucun autre opérateur ne peut revendiquer un tel bilan. Tout cela, je l'ai fait pour vous et sans vous demander de changer de prénom. Il y a dix ans, on a lancé Free Mobile et souvenez-vous, on nous a dit le marché de la téléphonie ne supportera pas l'arrivée d'un nouvel acteur. Et pourtant, on l'a fait. On nous a dit, vous ne pourrez jamais proposer des forfaits à 2 euros. On l'a fait aussi. On nous a dit, vous ne pourrez jamais proposer des forfaits sans engagement. Eh bien, vous savez quoi On l'a fait quand même. Chez Free, les engagements, c'est nous qui les prenons, pas vous. Alors, c'est vrai, je ne suis sans doute pas un président normal. J'ai plus de 50 ans et je ne porte pas de Rolex, je ne bois pas de Corona, je n'ai pas de fille cachée et je ne vous trouverai pas un travail juste en traversant la rue. Mais quand je fais une promesse, moi, je la tiens. 2022 est là, et pour ce quinquennat qui s'annonce, je vous promets à nouveau de ne pas augmenter les forfaits à 2 euros ni ceux à 19,99. Liberté, égalité, prix inchangé, voilà mon combat pour le pouvoir d'achat des Français. Mon ambition est d'être l'opérateur de tous les Français et de vous aider à communiquer sans vous niquer.